Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus. Alléluia. Et le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre il est l'incomparable. Le nom de Jésus et le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel, fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobete la tolo, kombo koche la motemae. Natale la nani mosonson soki yote yawe nangai. Kombo na Yesu, kombo na Nguya. Kaka na kombo na Yesu, e Mungu na kumpaka tamba mwe. Haleluya, haleluya. Sina kombo na Yesu, bakufi miso bazomo na yeye. Mobele yo kabolaki, mai kuna na Egipito. Alleluia. Hata na libolo ya moto, na yebi yo zanange lungo. Kombo kobete la tolo, kombo kote la motema. Makasi nangaye lolendo nangaye.
Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nayo. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 23.
Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a gagné. Alléluia. Mm-hmm.
Parmi ses enfants, aujourd'hui, qui t'a rappelé auprès de lui, qui t'ouvre large le porte de son paradis et qui t'accueille avec ses élus, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer notre cérémonie, je voudrais vous inviter à éteindre ou à mettre sous silence vos GSM pour ne pas perturber le cours de la célébration. Alors, chers amis, nous sommes réunis à cette heure dans cette église pour accompagner notre sœur Pauline. La mort, c'est un mystère. La mort, c'est un déchirement. La mort nous pose question. Devant les questionnements, nous sommes parfois dans les doutes, voire même la révolte. Nous nous posons énormément de questions. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis dans une église. L'église, c'est un lieu porteur de sens. Nous sommes réunis pour faire silence. Nous sommes réunis pour réfléchir, écouter la parole et prier. Prier accompagné de celle qui nous a quittés. Prier autour de sa famille. Alors, pour pouvoir prier comme il faut, nous allons commencer par écouter un peu de sa biographie. Ainsi, au cours de notre célébration, nous serons priés à connaissance des causes. Fille, sœur, mère, grand-mère, tante, cousine et amie, Pauline Longoyot-Lomité est le fruit d'une union entre Hélène et Issé et Jean de Sa. Elle vint au monde le 12 décembre 1956 dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Aimée par sa très grande fratrie, elle a pu compter sur le soutien de l'un ou l'autre à chaque moment de sa vie. Maman Pauline a eu un parcours scolaire des plus classiques, en passant par des écoles telles que Christ-Roi, Patrice Lumumba, Athénée Kalina, pour finalement terminer son cursus scolaire à l'Institut de beauté, coupe et couture, qui lui a ouvert les portes du monde du travail, en l'occurrence chez Frantaille, en qualité de couturière. C'est en 1972 qu'elle rencontra sur son chemin l'amour, nommé Pierre Tamalandoua. De cette union sont nées quatre perles, Corinne, Nancy, Junior et Tania. Comme toutes les mères, elle aspirait au bien-être de ses enfants, en voulant leur offrir le meilleur. Son désir était que ses enfants puissent se former, grandir en Europe, en Belgique en l'occurrence. Après plusieurs allers-retours entre Kinshasa et Bruxelles, c'est en 2009 où elle plia bagage, elle vint s'installer dans notre petit et beau pays, la Belgique, auprès de ses sœurs, de ses enfants et ses petits-enfants. Outre cela, maman Pauline était une servante de Dieu. Elle faisait partie d'une assemblée de prières, tant au Congo qu'ici même en Belgique. Décrite comme forte de caractère, un nom restait non avec elle, car elle savait pertinemment ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. 12 fois grand-mère, c'est ce titre qui pouvait faire chavirer son cœur, lui permettant ainsi de revoir ses décisions. Discrète, coquette, souriante, serviable et persévérante sont des qualificatifs qui lui reviennent de plein droit. Décrite comme super gentille, super mamie par ses petits-enfants, c'est entourée de l'amour des siens qu'elle s'est éteinte le samedi 12 août 2023. Que sa vie nous enseigne, repose en paix, maman. De la croix du Christ. Maintenant, nous allons déposer une petite croix qui porte son nom et son prénom sur le cercueil. Parce qu'à son baptême l'a uni à celui qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité pour nous donner la vie en Dieu. Une manière de souligner que désormais, le destin de Maman Pauline et le destin de celui qui est mort sur la croix sont intimement liés. Or, Jésus qui est mort sur la croix n'est pas resté prisonnier de la mort.
il a été ressuscité par Dieu, son Père. Ainsi, tout homme et toute femme qui lui font confiance connaîtront le même destin que lui. Aussi, croyons-nous que Mama Pauline est désormais associée au destin même de Jésus. La mort, c'est aussi un événement qui vient comme éteindre la lumière des personnes que nous avons aimées. Mais nous le savons bien, dans le cœur des proches ou des personnes qui ont connu la disparue, cette lumière ne s'éteint jamais. Plus encore, aux yeux de Dieu, cette lumière reste allumée. Et Jésus, qui lui a transmis sa lumière lors de son baptême, sera là, présent, pour attendre Maman Pauline et éclairer, illuminer le chemin qui la conduit à la rencontre du Père éternel. De Pauline qui s'est éloignée de nous. Ne nous laisse pas ainsi, Seigneur, seuls avec notre désarroi et notre deuil. Toi qui nous aimes et qui nous appelles à vivre, relève-nous, Seigneur, afin que nous puissions continuer sur le chemin quotidien dans l'espérance et les dons, puisque nous croyons que grâce au Christ qui a traversé la mort, notre sœur Pauline est passée dans la vie auprès de toi, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Amen. Par-delà de la mort, Dieu nous attend chez lui, comme un père qui rassemble ses enfants. Jésus-Christ nous montre le chemin, faisons-lui confiance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez, je dis, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Voilà, nous venons d'écouter l'évangile, mais il y avait un premier texte sur le même thème du voyage. C'est un texte qui n'est pas biblique, mais c'est un texte qui parle de la mort dans un langage symbolique. C'est un texte de Jean d'Ormesson. Il écrit ceci. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants et même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et nous laisserons un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir, d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyez heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci. Merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. C'est un texte de Jean d'Ormesson. C'est l'expression de notre amour, c'est l'expression de notre respect. Et pendant ces temps, ceux qui désirent peuvent aussi faire une offrande dans la mesure de leurs possibilités. Et là, maman Pauline, viens partager avec moi le bonheur dans la maison de notre Père Céleste. Être proche des autres, c'est aussi être proche de ceux qui sont dans la détresse et dans la tristesse. Aujourd'hui, la famille de maman Pauline est dans la détresse. Ses enfants, ses connaissances, ses petits-enfants, ils sont tristes de l'avoir perdu. Alors être proche d'eux, c'est aussi pouvoir leur adresser des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement pour qu'ils puissent traverser ces moments de deuil avec confiance, avec espérance.
Thank you.
tout ce que nous avons vécu avec elle. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Rien ne peut nous séparer de Dieu. C'est là notre certitude. Ce que Dieu a fait pour son Fils unique, Dieu le fera pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus notre Sauveur. Souvenir, mais le bonheur de savoir qu'elle a existé et qu'elle sera toujours avec vous dans votre cœur. Les heures vont passer, les jours vont passer, les années vont passer, mais chaque souvenir de toi restera pour toujours dans mon âme et mon cœur. Et j'ai envie de dire au revoir à la tristesse et de sourire en pensant à toi, de rire de nos souvenirs passés. Il y a eu de si bons moments qui sont devenus de si doux souvenirs, mais je sais aussi que parfois la tristesse coulera de mes yeux comme aujourd'hui, et je sais que tu ne voudras pas, alors je serai forte et je t'imaginerai me sourire de là où tu es, ma petite mamie adorée. Frère, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Y'a Pauline. Maman, maman Coco, tante Pauline, mamie Pauline. Toutes ces façons de t'appeler nous rappellent les différents rôles que tu as pu avoir dans nos vies. Et à travers lesquels nous avons pu te connaître. Ces dernières années, nous t'avons surtout vu jouer ce rôle de grand-mère avec beaucoup de soin. Ces petits-enfants qui t'ont si bien connu perdent immanquablement un pilier. Le Seigneur t'a comblé de différents dons. Cuisinière hors pair, toujours prête à nous préparer un petit plat. Couturière avec des doigts de fée, que ce soit pour nous ou nos amis, nos collègues, tu avais l'art de transformer le tissu en quelque chose de beau. Généreuse, malgré tes petits moyens, tu avais toujours une petite attention pour tes petits-enfants. Comme dans toute relation, il y a pu avoir des choses, des discussions, des façons de faire sur lesquelles nous n'avons pas toujours été du même avis. Mais une chose est sûre, à ta façon, tu nous as aimés. À notre façon, nous t'avons aimé. C'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on réalise la valeur qu'elle avait. Aujourd'hui, tu es parti et nos cœurs te pleurent. Le miracle que nous attendions n'est pas arrivé. Cependant, parce que tu connaissais Jésus, nous savons que tu es sauvé et que lorsqu'il reviendra reprendre tous ses rachetés et lors de la résurrection des morts, tu vivras à nouveau. C'est là que réside le véritable miracle. Pour nous qui restons, souvenons-nous qu'une famille est une bénédiction dont nous devons prendre soin. Demandons au Seigneur de nous aider à faire chacun l'examen de nos cœurs et nous montrer là où nous n'aimons pas assez. Chère mamie Pauline, je voudrais terminer en rendant grâce à Dieu pour ta vie. Et en te disant merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir été une sœur, une maman, une tante, une amie, une mamie présente et disponible pour tous nos enfants. Que le Seigneur t'accueille avec joie dans ses bras d'amour. Nous t'aimons. Merci à mamie. Osali et Lokomingi Ponabiso, Osalaki na Daku Tango Tango Baparan, Nangai, Bakei na voyage, Nakanisi Tango Tozali Moana, Na Ephraim Tolalaki na Betu, Ephraim Abangi Tenga na Bangi Midi, Osali et Lokomingi Ponabiso, Tokobo Sanayote, on ne t'oublierai jamais, Mani, je t'aime, Yamani, I love you. Yeah.
Maintenant, nous arrivons au moment où nous allons nous séparer de notre sœur, de notre mamie, de notre amie, Mère Pauline. Je vous invite à vous lever. Nous allons la confier à Dieu, notre Père. Vous pouvez se mettre debout. Elle n'est plus au milieu de nous. Elle est passée sur l'autre rive auprès de toi, notre Dieu. Toi qui ne juges personne, à qui elle a bras ouverts. Toi qui ne pèses ni le bien ni le mal, donne à profusion ton pardon. Toi qui te réjouis devant l'œuvre de tes enfants, regarde tout ce qu'elle a réalisé humblement au long des jours. Toi qui ouvres ta maison à tous ceux qui cherchent le bonheur, prépare-lui une place dans ta lumière. Toi qui soutiens ceux qui trébuchent dans l'existence, toi qui accompagnes ceux qui hésitent et doutent, viens vers ma Pauline, à qui elle a dans ta maison. Ma Pauline, notre amie, nous te confions à Dieu dans l'espérance de te revoir auprès de notre Père. Voici l'eau de la vie, l'eau qui lave, qui guérit, qui désaltère. Voici l'eau du baptême qui est plongée dans la mort du Christ. Pour le bonheur de l'eau qui donne la vie, nous te remercions, Seigneur. Pour le bonheur de la vie ressuscitée, nous te rendons grâce, Seigneur. Donne à Pauline d'être désaltérée à la source d'eau vive et donne-nous d'être réveillés dans notre foi en la vie du royaume. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ton corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici l'encens qui brûle comme un parfum de prix, car précieuse est la vie aux yeux de Dieu. Voici l'encens qui monte vers toi, Seigneur, comme l'offrande d'une vie. Merci pour les traces laissées par cette vie qui s'est donnée et qui s'offre à toi, Seigneur. Merci pour la vie parfumée de fleurs et d'aromates que tu nous promets, Seigneur. Donne à Pauline de goûter à ce bonheur du jardin de Pâques et donne-nous de garder la saveur de la foi et l'essence de la prière. En signe de respect pour toi, Pauline, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Dieu notre Père, nous sommes venus dire adieu à notre sœur Pauline. Oui, nous sommes venus lui dire, tu es désormais à Dieu, toi, désormais à Dieu tout entier. Tu l'avais confié à ses parents pour qu'il élève et qu'il élève jusqu'à toi. À chaque fois qu'elle a aimé, elle s'est élevée jusqu'à toi, Dieu. Qu'il avait confié à tous ceux qui ont veillé sur elle pour qu'elle s'éveille à la vie, à la justice, à la paix. Chaque fois qu'elle a fait grandir la vie, elle s'est éveillée à toi. Qui lui avait confié la création pour qu'elle embellisse, l'aménage, la développe. À chaque fois qu'elle a travaillé de ses mains, et de son intelligence
Elle a associé son œuvre à toi, Dieu, qui lui avait confié des frères et des sœurs pour qu'à ses 100 ans solidaires d'eux, elle bâtisse un monde fraternel. À chaque fois qu'elle a tendu ou saisi une main, c'est ta main qu'elle saisissait, ta main à toi, Dieu. Maintenant donc, Père, laisse-nous mettre sur nos lèvres ces dernières paroles de ton Fils sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, Père, entre tes mains, nous remettons notre sœur Pauline. Entre tes mains, à toi, notre Dieu. Pauline, nous te disons adieu. Désormais, tu es tout entière entre les mains de notre Père. Amen. Pour la vie de maman Pauline, nous voulons rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'elle est maintenant, aux yeux de Dieu, auprès de Dieu. Mais nous voulons rendre gloire aussi pour ce qu'elle a été auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de tous ceux qui l'ont connu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, nous allons déposer la petite croix qui porte son nom et son prénom au fond de l'église. Cette petite croix restera ici jusqu'au mois de novembre. Pour ceux qui le désirent, vous recevrez une invitation par la famille pour que nous venions tous ensemble faire mémoire le 2 novembre de celle qui nous a quittés aujourd'hui. Le nom de Jésus.
les puissants de tous les noms. Du nom de Jésus, Jésus-Christ, et les puissants de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Du nom de Jésus, alléluia, et les puissants de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre il est l'incomparable. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, tu as la parole de Dieu, comme la Bible le dit. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. Donc, nous venons remettre maman et la parole s'accomplit dans sa vie aujourd'hui. Elle a fait sa part, elle a accompli sa mission, elle a donné des enfants, elle a vu de petits enfants, elle a atteint 68 ans, presque à 70 ans, l'âge qui nous a été déterminé par la parole de Dieu. Donc, nous allons comprendre que la majeure partie de la parole s'est accompli dans sa vie. Et aujourd'hui, nous la retournons dans sa dernière demeure. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci Seigneur pour cette vie que tu nous as donnée, cette dame que tu nous as donnée, cette coco que tu nous as donnée. Nous te bénissons et nous souhaitons au Seigneur que comme sa parole s'est accomplie dans sa vie et que aussi la parole s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ces grands moments de joie, parce que l'une de l'autre rejoint, Seigneur mon Dieu, la félicité, rejoint, Seigneur, ton royaume. Nous te disons merci parce que tu es l'éternel. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as reçu. Aujourd'hui, ta parole s'accomplit dans cette famille, dans la vie de maman. Maman Pauline, elle rentre dans la poussière. De la poussière aussi tu l'avais tirée. Et aujourd'hui, elle rentre auprès de toi. Nous te rendons gloire. Nous bénissons, Seigneur, ce moment. Laisse que, Seigneur, cette tristesse nous apporte la joie, nous apporte la repentance, nous amène au salut, afin que, Seigneur, quand il arrivera notre tour, que nous puissions aussi, Seigneur mon Dieu, vivre ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous souhaitez pouvoir l'animation. Est-ce que des personnes. Comment vous voyez les choses pour la suite? Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms.
Du nom de Jésus, Jésus-Christ, et le puissant de tous les noms. Le nom qui bénit, qui sauve, très puissant de tous les noms. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre il est l'incomparable. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel, fais-lui confiance. Et tu auras la solution. Alléluia. Combo na Yesu, combo yo nanguya. Combo kobete la tolo, combo kuche la motema. Natale la nani mousonso soki yote yawe nangai. Kaka na kombo na Yesu, Mungu na kumpaka tamba mwe. Hallelujah, hallelujah. Sena kombo na Yesu, bakufi miso bazongo na ye. Mobile yo kabola ki mai kuna na Egipto ye. Hallelujah. Hata na libolo ya moto na ebi yo zanange lombo ye. Kombo kobete la tolo, kombo konti la motema ye. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Na belela kombo ya nani soki kombo ya Yesu te.
Chapitre 1, verset 1 à 23. Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a gagné. Alléluia. Et les puissants de tous les noms, yeah, yeah.